N'est pas Batman ou Batwoman qui veut. Le recrutement de la brigade d'animation Tribune du prochain carnaval est rigoureux, particulièrement cette année. Les jumelles Audifrenne, Brigitte et Pascal ne font pas de cadeaux. Elles auditionnent acrobates, jongleurs, contorsionnistes qui vont booster les cortèges et mettre le charivari dans les gradins. Les critères, ce sont des artistes professionnels qui doivent avant tout nous surprendre, nous épater, apporter une originalité supplémentaire par rapport aux autres années. Ce que nous voulons cette année, c'est une vraie troupe de 30 professionnels plus 30 amateurs qui seront aussi des danseurs. Donc on fait quand même la moitié danseurs, acrobates, jongleurs, contorsionnistes. C'est vrai que cette année, on ne prend pas de comédiens, il faut que ce soit du visuel. Car avant tout, il faut plaire, séduire, surprendre et surtout avoir une bonne condition physique. Car poursuivre le roi des sports, ça doit déménager. C'est quand même quelque chose de très physique. Voilà, il faut quand même tenir pendant deux heures et demie, avoir toujours le sourire. On est en contact très très proche avec le public qui est souvent coincé. Donc on est là pour les décoincer. Donc ils sont là pour animer, pour faire participer le public et pour épater tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'on a quand même tous ces artistes qui viennent de partout, de toute la France. Rémi et Clément sont saltimbanques et sont venus spécialement du Vaucluse présenter leur numéro pour un carnaval qu'ils connaissent déjà. J'ai déjà fait le carnaval pendant deux années de suite. Pour moi, c'est sympa, c'est Nice en fête pendant trois semaines, donc c'est vrai que c'est une super occasion quoi, pour nous de travailler, de montrer notre savoir à plein de gens qui sont là. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Rémi, c'est passé comment ? Bah écoute, on a montré ce qu'on savait faire, c'est l'essentiel. Hein. Ouais. On peut pas dire si c'était bien passé ou pas, on verra par la suite.